Voilà, c'est la deuxième saison consécutive qu'on vient ici en stage. Donc on est très satisfait de revenir. Hein. C'est un cadre qui est vraiment dédié au football. Hein. Là, il n'y a pas la mer, il n'y a pas la montagne, comme on peut trouver dans d'autres stages éventuellement, mais ce n'est pas ce qu'on recherche. On vient ici pour du football, et là, en l'occurrence, par contre, tout est réuni pour faire un bon stage, parce qu'il y a des très bonnes conditions de travail, notamment une très très bonne qualité de terrain. Là, après, au niveau de l'hébergement, il n'y a pas de problème, c'est bien, de la restauration. Et puis surtout, les gens sont très sympas ici. Donc ça compte aussi, parce que si vous avez un gros palace avec des gens qui sont des portes de prison, c'est un peu moins enclin à revenir. Alors là, les gens sont vraiment très très sympathiques, très très accueillants, très chaleureux. Et voilà, on commence à nouer des liens, des contacts avec eux. Et non, ça nous fait vraiment plaisir de revenir. Et on a une très bonne qualité de travail, et donc ça se passe bien. On vient pour le football, donc en fait c'est vrai que si on partait peut-être sur un stage comme certains font sur 8-10 jours, ah, il faudrait trouver peut-être voilà, d'autres activités. Là on a réussi quand même en 4 jours à faire un run and bike, on va faire un acrobranche, la saison passée on avait trouvé un karting pareil pas très très loin. Donc bon voilà, on peut quand même trouver des activités, 4 jours ça passe vite, et puis par contre on est concentré sur ce qu'on vient faire avant tout, c'est-à-dire le travail, le terrain, et là par contre c'est impeccable. Seb le premier qui nous accueille, met tout en place, et puis voilà, dès qu'on a besoin, les vélos, le frigo, enfin bon, on sent les gens vraiment qui sont vraiment voilà, avec nous, voilà, très très proches pour nous aider à passer un agréable séjour, et franchement c'est le cas, et on remercie toute l'équipe du centre. Ouais, on se déplace pas, on a tout sur place, donc ça c'est un avantage. Après on peut dire qu'on a des très bons terrains sur lesquels on s'entraîne, il est vraiment top franchement, donc c'est un gros avantage là-dessus, là-dessus pour bien travailler c'est important. Puis après comme il a dit Freddy, on a la balnéo, on a le bain froid, la récupération, on a même la piscine à disposition, c'est vraiment top.